Et nous, on est quelque part les gilets jaunes, on n'a pas de proposition, on n'a pas de... Bah, regarde la télé, je viens de faire des propositions. On les répète, on n'arrête pas de les répéter. Sérieux, faites des replays, vous allez voir. Est-ce qu'on fait un site web? Est-ce qu'on fait un endroit où on peut retrouver ces propositions, en discuter? Sur La France en colère, tout le monde les relaie, les propositions. La France en colère, c'est... Tu fais le jeu des médias, quoi. On n'a rien à proposer, on parle que de violence. Non, mais je dis simplement parce que lui, il dit qu'il est un relais, Fly. Les propositions, tu les connais pas. Si tu as discuté avec Fly, il a dû te les dire. Non, pas tellement. Bah moi je les répète. Regarde tous les plateaux télé, les trois communications principales. J'ai pas eu le temps de regarder là. Bah le plateau. Regarde, tu verras. On passe longtemps à les répéter, sauf que tout le monde fait genre on les connaît pas, on les oublie et les gilets jaunes sont violents. Bon alors excuse-moi d'avoir que tu doives les répéter encore une fois, mais dis-moi les trois premières alors. Eh ben, qu'on baisse les taxes, qu'on puisse vivre dignement de notre salaire, qu'on arrête de nous prendre pour des poches africaines, qu'on accède à une nouvelle démocratie qui passe par le RIC. Parce qu'aujourd'hui, les institutions françaises, elles sont archaïques, elles ne représentent plus le peuple français. Le RIC, par exemple. Non, mais attends, je finis, tu veux les trois positions. La fin des privilèges, ou à la rigueur qu'on ait nous les mêmes privilèges, d'accord. Maintenant, la fin du LBD 40, ça aussi, ce serait pas mal. Ouais. Et puis, renforcer aussi de bien communiquer sur le déni de démocratie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une démocratie française où liberté, égalité, fraternité n'existent plus, parce qu'à défaut de, à défaut d'être entendu, eh ben, on nous met des bastos dans la gueule qui nous crèvent des yeux. Voilà, t'en as cinq des propositions. Ok. Voilà. Donc, le RIC qui est peut-être la plus importante. Combien de c'est votants... pas le RIC la plus importante. L'important c'est le frigo d'abord. Qu'on remplisse le ventre des gens, que les gens puissent vivre de leur salaire. D'accord, une fois que les gens auront bien le ventre bien rempli, on pourra réfléchir à faire de bons programmes et d'avoir une nouvelle démocratie. Donc c'est la baisse des taxes. Parce que pour ça, quand on a le ventre plein, on réfléchit toujours au mieux. Donc pour ça, c'est la baisse des taxes. Déjà pour commencer, pourquoi on est descendu dans la rue? Pour avoir plus de pouvoir d'achat. On est d'accord ou pas? Ouais. Pour qu'on puisse vivre dignement, qu'on puisse être traité comme des humains. D'accord. Hein, qu'on arrête d'enrichir les riches qui ne font pas vivre la France, ouais. Mais qu'on s'occupe des gens qui font vivre la France, du peuple qui travaille, de ces petits patrons qui font vivre eux aussi la France pour qu'eux aussi aient des améliorations. C'est bien pour ça qu'on est descendu dans la rue, parce que l'essence était trop chère, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas payer des couches à nos gamins, parce qu'aujourd'hui à la fin du mois on est le 10, on n'a déjà plus de thunes, parce qu'on ne peut pas payer un loisir à nos gamins, un cinéma, un parc Astérix ou une connerie comme ça. Tout simplement pouvoir vivre de notre argent. Qu'on arrête sur un billet de 100 balles de donner 60 balles à l'État pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, qu'ils engraissent les plus riches et que derrière ça licencie. D'accord, mais si on est d'accord avec toi, on dit... Je ne sais pas si on est d'accord avec moi, pour le moment on est descendu pour ça dans la rue. D'accord, on est d'accord avec le mouvement, on n'est pas d'accord avec Jérôme Rodriguez. Okay. Jérôme Rodriguez, il fait partie du mouvement, d'accord, c'est pas un symbole, c'est pas un leader, il fait partie du mouvement. Et le mouvement aujourd'hui, il est descendu dans la rue pour ça. Parce qu'on en a marre d'être pris pour des cons, on en a marre depuis 40 ans d'être une génération sacrifiée, d'avoir donné aux banques en 2008, qu'aujourd'hui nos gamins naissent avec 36 000 euros sur la tête. D'accord, pourquoi on le doit? Qui est ce pognon? Pourquoi tu as 36 000 euros de dette sur la tête? Pourquoi moi j'ai 36 000 euros de dette? J'en sais rien. Qu'on me dise à qui je dois le pognon. Moi je dois rembourser ma bagnole, je sais à qui je dois le pognon. D'accord. Mais... Là on nous demande de rembourser des dettes, on ne sait pas à qui on doit le pognon. Okay. Là, il est là le problème, c'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui. Mais je comprends, Jérôme. Non, mais tu comprends, tu poses la question, je t'explique. D'accord, tu es super militant et je suis de tout cœur avec toi. C'est pas une question de militantisme, c'est une question une question de raison. Quoi. Si, non, mais je veux dire, le gars qui suit de loin le mouvement des Gilets jaunes, qui pense que c'est une bonne chose. Bah, qu'il est avec BFM TV, comme ça, il le suivra de près. D'accord, ok, mais qu'est-ce qu'on lui dit véritablement? Quelles taxes on baisse véritablement? Comment est-ce qu'à la limite, comment est-ce qu'on le finance? On s'en fout parce que l'État. On met tout à plat, mon pote. Il y a un boulot de fou à faire en France. D'accord, mais. Il y a un boulot de fou au niveau des retraités, oui. Au niveau des handicapés, d'accord. Au niveau des femmes seules. D'accord, mais là, il y a tu parles plein d'autres choses. Problèmes. Non, ces choses qui sont cruciales. T'as une base aujourd'hui. Oui. Il en découlera beaucoup de choses. Et le boulot, il se fera pas en 3 mois, il se fera pas en 6 mois, il prendra du temps parce qu'il y a tellement de bordel en France. Ils ont tellement foutu un bordel depuis 40 ans qu'on pourra pas tout régler en 2 jours. Pourquoi on fait pas le boulot maintenant de savoir quels produits doivent être taxés moins, avoir un véritable plan de bataille. Tous les produits de première nécessité, pour que les gens puissent manger à leur faim. Et on met 0% de taxes dessus. Pourquoi pas? D'accord. Toutes mais les idées sont bonnes à prendre. Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi aujourd'hui en Espagne, ils vont imposer les banques pour payer les retraités? Pourquoi on ne fait pas pareil en France? Ouais. Pourquoi au Portugal, on paye les gens sur 14 mois? Bon, bah, tout ça, c'est des bonnes idées. Pourquoi les retraites au Portugal sont payées sur 13 mois? Alors, je parle de ce que je connais. Hein. Ouais. Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. D'accord. Mais j'ai la chance d'avoir une double culture, d'avoir une maman française et un papa portugais. Je sais ce qui se passe au Portugal. Okay. Et si tu veux aller te renseigner, aujourd'hui, le Portugal a dit merde à l'Europe. Et c'est le seul pays qui est en pleine croissance. Ouais. Non, c'est vrai. D'accord. Donc, à défaut de prendre les conneries de tous les autres pays et d'écouter la merde à Merkel, eh ben, qu'on aille voir ce qui se passe bien dans les autres pays. D'accord. Pourquoi on ne prend pas de l'argent aux banques pour financer les retraites? Pourquoi la totalité des impôts hors niche fiscale de Total comblerait le trou de la sécurité sociale? Comme ça, tout le monde pourrait avoir les dents, les yeux parfaitement bien. C'est de combien? 10, 15, 20 milliards? Sauf que, avec les niches fiscales, les mecs, ils sont taxés à 8%. Ouais. Et ils nous donnent même pas le... Pourquoi on se pose pas la question que Total ne paye des impôts que depuis 2015 en France? Il est passé où le pognon? 500 millions d'euros pour les GAFA.
500 millions d'euros pour les GAFA. Quand tu vois le patron d'Amazon avec 1% de sa richesse pourrait soigner pendant un an les 200 millions d'Éthiopiens, et on leur prend 500 millions, mais c'est de l'argent de poche. Les mecs, ils vont nous le jeter à la gueule, ce pognon, les 500 millions. Tiens, prends. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais la France, elle est bloquée. Elle est bloquée avec ces traités européens qu'elle a signés. Elle peut pas s'en dégager. Il faut un vote unanime. Il faut que tout le monde soit d'accord. Ah, parce qu'on est pris, alors on est pris au piège. Bah oui. Eh ben écoute, on a qu'à se détacher du piège, c'est tout. Donc on va nous faire quoi? Je sais pas si on sort de l'Europe, je suis pas assez politisé et j'ai pas les. Mais c'est là où le RIC est important, où on peut dire d'une voix unanime. Alors comment est-ce qu'on décide de démarrer un RIC par exemple? Il faudrait combien de signatures? Est-ce que l'Assemblée. Là, je t'inviterais à aller voir des spécialistes. D'accord, il y a plein de spécialistes, il y a du Étienne Chouard, il y a du Hakim. Mais pourquoi on se met pas avec Étienne Chouard et on fait un véritable programme? À un moment donné dans le mouvement, chacun son taf. D'accord. Ouais. Moi, je parle de ce que je maîtrise. D'accord. Le RIC, je m'y intéresse, mais j'ai pas la maîtrise pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Bon, donc je devrais aller voir Chouard et je devrais lui dire de s'intéresser à faire un véritable plan de bataille pour le RIC. Pourquoi pas? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. D'accord. Chacun ses compétences, chacun son domaine de travail, tu vois. Ouais. Et il y a que comme ça. Puis à un moment donné, il y a une convergence et on ira au bout des choses. Bon. Mais il faut pas lâcher. D'accord. Faut pas lâcher. Dans le respect, on arrête d'insulter, on arrête de faire n'importe quoi. Juste dans le respect. Pour qu'on montre que nous, on est plus intelligent que le gouvernement qui essaye de nous mettre à bas. Est-ce que Finkielkraut, qui a été pris à partie, s'est monté en épingle ou est-ce qu'il y a des gilets jaunes antisémites? Je le cautionne pas, c'est dégueulasse de faire ça, d'accord. Ouais. Maintenant, oui, c'est monté en épingle, parce que comme je viens de le dire, à un moment donné, il y a une personne dans le mouvement des gilets jaunes avec la kippa sur la tête face à Trocadéro et qui s'exprime clairement en disant que les gilets jaunes ne sont pas antisémites. Mais on ne parle pas de cette personne. On n'en fait pas tout un pataquès en disant « Regardez cette personne, elle est de confession juive, elle est chez les Gilets jaunes et ça se passe très bien pour elle. » Donc il aurait peut-être dû essayer de faire passer le dialogue. Il n'y a pas de contrebalance, tu vois ce que je veux dire? On ne fait que des effets de loupe sur une connerie. Et on ne parle que de la connerie depuis 48 heures. Mais tu crois pas qu'il y a quand même eu ces pseudo-augmentations de la violence antisémite qui sont sorties il y a une semaine avec des chiffres qui sont compilés par le gouvernement? Le jaune est devenu le fléau. D'accord. Non, mais il y a eu quand si même... on se met à péter trop fort, il va y avoir un tsunami en Inde, ouais. Et ça va être de notre faute. D'accord. Non, mais moi j'ai eu l'impression quand même si que aujourd'hui, le demain, il se met à pleuvoir, ce sera de notre faute. J'ai l'impression que le gouvernement s'est entendu avec certaines élites pour monter une sorte d'antisémitisme qui sort de nulle part avec des chiffres. C'est le jeu médiatico-gouvernemental qui se met contre les gilets jaunes. On fait trop de bruit, tu comprends? On dérange. Donc ils veulent en fait écraser en disant de ceux qui restent, manières. Ce sont des antisémites. Hey, tu sais quoi, regarde, juste à mon titre personnel, t'as le plus grand dealer de France devant toi. C'est-à-dire... Bah quoi, j'étais accusé que j'étais trafiquant de drogue. Ah ouais. Par les médias. Ouais. Tu te rends compte? Là, moi j'ai fait des go fast. Tu sais, hein? À un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. Bon, la prochaine fois que tu fais un go fast, tu peux le filmer. Ouais, on va se marrer. Tu vois, donc faut arrêter. C'est de la manipulation médiatico-gouvernementale. Merci Jérôme. Salut mon pote. Salut.